enculé, ta mère la pogne. Ça monte à la tête tout ça, hein. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à plein de trucs inspirés de notre maître à tous, Amixum, je t'aime. Non, parce que du coup, j'ai découvert, évidemment, depuis très longtemps, les vidéos d'Amixem qui regarde des vidéos de fail, genre de vol et tout, dans les magasins et tout, et j'ai kiffé ma race. Alors du coup, on va faire pareil, parce qu'on a pas d'originalité. Après, c'est mon humour, du coup, peut-être que ça va modifier des trucs et tout. C'est parti, une petite compilation de 10 minutes et tout, tranquillou. Trop bien, les gens qui volent des scooters, les gens qui se prennent des murs, qui ont pété le plafond, ou encore des gens qui font plein de trucs. Ça rime, c'est cool. Rien de mieux que pour commencer une vidéo avec des belles rimes. Hmm. Oh, alors toi, mec, t'es pas net. Je crois que toi, t'as bu un peu trop. T'as quoi sur la tête, mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui branle? Il a un sac plastique? Tu vas où? On sait même pas s'il est dans un magasin ou s'il est dans une maison avec une caméra. Mais tu vas où, toi? Mais qu'est-ce que tu branles, mec? Le mec, il a profité qu'il y avait une petite entrée pour passer. Non, mais mec, ça va pas passer. Tu rentres pas, mec. À partir du moment où t'as un sac plastique sur la tête, de toute façon, tu rentres pas. Il est pas très bien, ton masque anti-Covid. Allez, vas-y, tu vas y arriver, mon pote. Oh, il a un petit cœur sur la main. Oh, il est trop mignon. Oh, là, il va y avoir une putain de couille. Oh, non, non. Qu'est-ce... Non, non, non. Ah, mais on voit pas la suite. Oh, merde. Ok, ils volent un scooter? Non? Ils volent quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, oula, oula! Mais mec, ça se ferme, ça se ferme! T'es en train de se fermer? Mais t'es un malade. Ah, putain, il s'est pété la... Non, mais il va se péter la jambe. Mais t'es un malade! Oh, il s'est coincé la jambe. Il s'est coincé la jambe. Mais espèce d'abruti! Ah, t'as l'air con, hein? Ah, t'as l'air con, hein? Bah ouais, faut pas voler. On va le lustre, toi. Oh! Bon, monsieur, ça va? Ça va, tranquille? Oh bah, la vie belle, hein, la vie belle. Bon, écoutez, je me suis retrouvé par hasard et mon pied, il a glissé en dessous. Oh, attendez. Ça me dit un truc, celui-là. Je crois que je l'ai déjà vu. Je crois qu'il est pas mal passé, celui-là. Mais pour... Pourquoi forcer une porte quand elle s'ouvre toute seule? Surtout quand elle s'éclate en mille morceaux. Là, on est d'accord, il y a un cadenas. Comment il va rentrer, le mec? Je comprends pas. Il a un cric. Les crics, ça sert à changer des roues, mec. Ça sert pas à lever des portails. Mais qu'est-ce que tu branles? Ah. Hein? Ah, t'as du mal à te lever, hein. Oh putain, non mais c'est trop drôle, bordel. Oh là là. Oh, oh, une caméra. Mais t'as mal. Non mais t'es un gros malade, Bernard. Je veux faire la... Non mais il s'est mis quoi sur la tête lui aussi là? Non mais mec, on t'a vu en fait, on t'a vu. Mais on t'a vu. Ne t'inquiète pas, ça. Mais vous êtes deux. Non, mais... On vous a vu les potes, on vous a vu. On vous a vu. Ils font plein d'allers-retours, on dirait qu'ils... Bah, ils sont où là? Ils sont quoi? Dans quoi là? Il y a un... Non mais je suis désolé, hein. Au bout d'un moment, quand tu voles quelque chose dans un magasin, oublie pas ta carte d'identité ou même ta carte de fidélité, c'est débile en fait. On dirait qu'il veut voler un vélo, il est bizarre. Qu'est-ce que tu poursuis, toi? Tu veux voler des go? Qu'est-ce que tu... Ah non, il veut voler le vélo. Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce que tu veux faire, Michel, avec ton vélo? Ah, j'ai juste envie qu'il se stoppe et que le mec, il se prenne la bagnole, en fait. Ah, le retour. Et là, attendez, je suis en train de voler le capuchon et la jambe arrière. Ah, mais il y a un mec derrière qui te voit, mec. Je suis discret, Michel. Qu'est-ce que tu voles, mec? Ah, il vole des copies doubles, attention, il va voler vol sang. Oh là, lui, il va lui arriver une couille, mais une couille... Non, mais... Non mais vous me voyez pas, il met une faille. Non mais arrêtez avec vos sacs plastiques là ou vos papiers toilettes. Non mais le mec c'est une momie en fait. T'es une momie, t'es une putain de momie. C'est quoi? Non mais mec, on te voit là. On te voit, on te voit. C'est un malin, on dirait une parabole. Mec, tu veux capter quelle chaîne? Tu veux capter quelle chaîne? Non mais tu veux faire quoi? T'attends là? T'attends que la caméra arrête de filmer? On me voit plus, c'est bon. Allez, barre-toi, va, barre-toi. Oust. Va voler des cailloux. Oust. Ok, là on a affaire à un mec. Il force. Ah mais il a un truc de marié. Tu veux voler quoi, des robes? Ah, c'est vrai que les robes ça coûte pas mal cher. Mais où est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il branle? C'est quoi en fait? Ah, c'est le coffre-fort. Mais mec, c'est pas en sautant dessus que tu vas l'ouvrir le coffre-fort, hein. Embarque-le, hein. Ça va plus vite, hein. Allez, on se casse. Vite, vite, vite. Vas-y, on le voit sortir en moto. C'était de l'autre côté en fait, je suis con. Là on est parti sur les caméras embarquées sur les portes. Bon, vous connaissez certainement, hein, via Squeezie et tout ça, il en a fait plein la ramasse. Ok, là on a affaire à Michel, 33 ans, en vélo, qui prend les volis. Oui. Là, je peux vous aider? Ça me fait triper les mecs qui sont là en mode, je peux vous aider, vous volez mon colis en fait. Tu te rends compte que là, il y a peut-être une PS5, tu vas me voler ma PS5? Oula, ça vole une petite voiture? What are you doing? Hey,
Hey! What are you doing? Va leur péter la gueule! Tu sais, ils essaient de voler la bagnole d'un mec, quoi. Ah, moi, on me vole ma bagnole. Twingo ou pas, je course après, hein. Non, mais c'est des souvenirs en bord organisé ou en famille, là? C'est une famille de voleurs! Je viens de trouver un parpaing. Hop. Oh, une échelle! Bah, tiens, on va pouvoir faire la peinture! Lady! Get out of here! Mais arrête d'essayer d'ouvrir la porte, toi! J'ai trop peur. Hey, put that down! Oh, pardon. Excusez-moi, je crois que c'était chez moi. Non, mais ça, c'est un truc qui me fait trop peur. Moi, ça me ferait trop peur qu'un mec vienne, pose le coulis à ma porte, et genre qu'on me le vole. Oh, j'ai eu peur. Oh, they got a camera! Oh, they got a camera! Faut que je me le remette, il est vraiment trop drôle, lui. Oh, they got a camera! Oh, they got a camera! Oh, they got a camera! Ah. Oh, fuck! Ok, à toi, Michel. Oh fuck, get on the camera! C'est le même mec que tout à l'heure. C'est un malade. Oh ok, ok, toi tu veux voler quelque chose encore. Oh no, the camera! Ils ont... Oh Snake avec son carton. Oh elle bouge plus! Il est où le vendeur? Il est où? Allez hop, tu te pètes la gueule, mon pote. Non mais t'es un malade, mais qui est suivant là? Non mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais c'est un malade, il va quand même pas tirer la caisse avec. Mais il... Vite, je l'ai volé, c'est bon. Ah merde, j'ai oublié d'attacher, quel con. Non mais tire pas. Non mais oh le voleur en carton. Mais t'as le temps de te faire choper 100 fois, il a eu... Pff, laisse tomber mec. Oh lui, alors lui, il va voler une bouteille. Il va voler une bouteille. Et de les shampoings. Ah putain, ça y est. Ah bah voilà. Je sais pas si je dois avoir un mal pour lui ou si je dois lui dire bien fait pour ta gueule. Lui, celui-là, il est ultra connu. Lui, il va se rétamer comme une merde sur les bouteilles. Et bam! Oh! Bim! Aïe, 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 aïe. Ah, ça doit faire tellement mal. Mais qui... Ah, je croyais qu'il faisait des bons. Oh, il s'est fait attraper par les policiers. Ça, c'est un truc qui me fait stresser à balle. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, hein. Peut-être que je suis seul. Déjà que moi, je vole pas du tout. Moi, je suis un mec trop honnête, en fait. C'est même quand je vois des policiers, en fait, je flippe alors que j'ai rien fait. Je suis suspect, j'ai rien fait, j'ai rien demandé à personne. Je suis au volant comme ça, dès qu'il y a des policiers, je suis en mode. Fais comme si tu n'avais rien fait. Même si j'ai rien fait. Yes. Non, mais toi, vole pas un téléphone, shot. Ouais, bah c'était une blague, c'était pour tester l'antivol, t'inquiète. Non mais c'est des malades. T'es un gros malade, mec, en fait. Attention, les petits potes, est-ce que ce serait pas le moment de lâcher le petit pouce bleu? N'hésitez pas à vous abonner en même temps et à activer la petite cloche, ça me ferait plaisir. Alors, si vous voulez un prochain épisode, je compte sur vous. Faites-moi péter la petite barre, là, hein. Enfin, les petits popos, là, hein. Ah, mais t'es un malade, toi. Non mais... Oh, le mec, c'est du génie. Non, c'est pas bien. Faut pas dire ça. Oh là là, oh là, oh là, Spider-Man. Oh, il vole des... Moi, je veux faire un zoo chez moi. Je vais voler les cochons. Oh. Mais là, c'est pas un vol. Oh, si, là, c'est un vol. Là, c'est un... Non, mais pourquoi vous voulez des animaux, mec? Après, si c'est pour le sauver, c'est bien. J'ai juste enlevé... Non, mais... C'est un chèvre napping. Ils ont chèvre nappingé quelqu'un, une bestiole. Mais toi t'es en train de voler une personne âgée. Non mais quel enculé. Bon, je pense qu'on va arrêter là les petits potes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît. J'adore ça, c'est trop drôle en fait. J'étais là en mode, est-ce que je le fais? Mais est-ce que voilà? Mais j'adore, c'est trop bien, j'adore. C'est trop bien de réagir à des trucs comme ça là. En plus c'est parce que je fais ça quasiment tout le temps. Genre je regarde plein de trucs, des fails, des trucs drôles. Ça peut être fun. Franchement si vous voulez un autre épisode, peut-être sur un autre thème, je sais pas, bah dites-le en commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée. Et puis bah, bisous. Allez, je me casse. Et l'autre après, il vole et tout, il prend, c'est beau le voleur. Je vous jure, non mais il y a vraiment des gens des fois, n'importe quoi. Cette blague est nulle.